Samuels, j'arrive. Oui, on arrive. Putain, je me suis tapé quoi encore? 10 minutes de gameplay perdu là? À crever en corps et en corps. C'est un vrai cauchemar ici, Samuels. On s'en fout, on avance. On court pas, mais on avance. Bah en fait, quand c'est Wally, ça va. Hein. Tant qu'on tombe pas sur l'autre abruti. Là. Je sais plus, il y avait quelque chose à déclencher sur le terminal. Je ne crois pas. Bon. Tac, 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 audio. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un trophée, je crois, pour tous les trucs audio. Donc, voilà, hop, on l'a lancé. On va partir faire autre chose. Hop, ça va parler en même temps. Ah, j'avais pas vu la plaque. Ok. Et encore une chose, si je découvre qui a balancé à Ransom, je lui ferai bouffer son bâton. Putain, mais là, les trucs s'affolent, là. Oh. What? C'est un incident grave. Bombe fumigène, allez. Oui, terminé. Samuels. Oh putain. J'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. S'il vous plaît, nous avons entendu des tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Mais des coups de feu, d'accord, mais ça veut pas dire qu'ils sont méchants avec moi, systématiquement, si. Les humains, là. À moins que ce soit le même groupe que l'autre jour, là. Les premiers qu'on a croisés. Y'a pas une sauvegarde là-dedans, là, qu'on puisse, voilà, s'assurer un petit peu. Non, hein. Oh, putain. Sur la map. Non, c'est qu'au poste de sécurité, hein. Crotte, hein. Là, il y a une map. Je sais pas si on en a besoin. Non, mais il y a des humains, là, normalement. Ah non, ils doivent se déplacer, parce que tout à l'heure, il y en avait. Alors, attendez, c'est à partir d'où que ça chauffe? Faut avancer encore un peu. Ah, je vais peut-être aller sauvegarder, là. J'y ai même pas pensé tout à l'heure. Il n'est pas là au moins. Allez, redresse-toi. Sans courir pour autant. Voilà, comme ça, si on crève, on se retape pas tout. Allez, sauvegarde. Oui, 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 écrase-moi tout ça. Avec joie. Je sais pas si elle est discrète quand elle marche comme ça. Je me rends pas compte. Non, je sais pas ce qui faisait biper le radar. Qu'est-ce que c'est? Allez, il m'a vu. Je suis gentil. Je me cache sous lui, regarde. Je suis inoffensif. Salut. Non, il a pas voulu me tuer, on dirait. Je vais me balader juste avec des fumigènes dans la main, comme ça il verra que je suis pas armé. Bah, soit il m'a mal vu, soit ils sont pas agressifs. Bon. Par contre, si tu peux servir de diversion à l'alien, il revient. Non, mais d'où il disparaît, là, le mec? Putain, c'est un humain. Comment il peut disparaître comme ça du radar? Allez, on avance moyen vite. Attendez, je suis un peu paumé, là. Mais c'est pas là. Putain, j'ai la manette qui vibre. Non, regarde pas l'humain. Allez. Porte verrouillée, super. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Synthétiques sont pas censés tuer les gens. Attends, il y a un truc à ramasser au-dessus. Camelot, ramasse la camelot, merci. Oh là là. Mais ils font tout pour nous faire souffrir, quoi. Ils auraient pu, hein, juste nous mettre une porte ouverte et qu'on puisse se barrer, mais non. On va essayer de contourner par là. Y'a pas une sauvegarde? Non. Bordel. Oula, et oh, le truc il s'affole là. Ouais. Y'a personne?
Si, il est en train de bidouiller un truc. Qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Y'a rien, là. Utiliser. D'accord, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'en sais rien du tout. Mais je vais où, là? C'est quoi, cette salle? Oh, putain. Il arrive vers nous, non? Oh putain. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Non, 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 non. T'as rien vu? Mais pourquoi tu viens ici, là? Alien à la noix. Non, dégage. Hello? Casse-toi. Putain, je suis coincé. Au secours. Faites diversion, les humains. Putain. C'est bon? Il s'est cassé. Putain, mais... Hey. Sois un peu discrète quand on ouvre une porte. Oh, putain. Tourne pas la tête. Il est aveugle. Merci beaucoup. Putain. J'ai cru que j'allais me crever là. Enfin, j'ai pas compris comment il a fait pour pas me voir. Il devait être en mode sortie, donc il a pas vu. Mais bon. C'était un petit peu ridicule. Plaque d'identité. On ramasse. Alors attendez. Il y a un humain là, j'ai rien vu. Calmez-vous les humains, courez pas comme des dindons là. Putain, ça s'affole de partout, faut qu'on avance. Putain, c'est forcément encore une poufiasse ça qui va nous buter. Allez, dégage la blonde. Ben, je la vois plus là sur le radar. Non, si, je la vois, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Avancez, s'il vous plaît. Oh, ils sont trois. Quatre. Mais c'est quoi ce bordel? Mais cassez-vous! Mais pourquoi ils restent devant? Mais dégagez! On dirait qu'il y en a quelques-uns qui avancent. Mais merde, ils sont quoi? Cinq en fait? T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. J'arrive pas à croire qu'on soit encore. Putain de merde. Il m'empêche de sortir là. Oh putain. J'essaierai bien de passer, mais... Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ça se trouve, ils sont pas méchants. Et ça se trouve, il y a la laine qui arrive. Non, il va pas redescendre par où il est monté tout à l'heure. Oh putain. Bah vu comme c'est parti, autant qu'il me tue, parce que là je suis coincé, ils veulent pas se barrer les humains. Bon, on va essayer de passer. Ils vont peut-être pas nous agresser. Voilà, je fais que passer, pardon. Ignorez-moi les humains. C'est pas là l'objectif, putain. Mais ouais, mais regardez là, ils sont 3 là, 2, 3, putain. Et ben je peux pas aller par là? Non, ça a l'air d'être fermé. Faut que j'avance, mais ouais, mais... Je fais quoi? Je vais essayer de voir comment ils réagissent. Parce que là j'arrive pas à avancer là, ils stagnent. C'est la meuf là, je lui fais pas confiance. Bon. Mais pourquoi ils vont là où je veux aller? Bon, on les suit. Hein. Putain.
Déjà ça, on récupère. Comme ça, on va pouvoir voir comment c'est foutu. Urgence. Non, je suis gentil. Me dites rien. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont armés, quoi. Et je suis sûr que je dois passer par là, là. Putain, je sais quoi, je balance un fumigène. Une grenade aveuglante. Oh putain, et puis il y a peut-être l'alien qui arrive. Non. Hey! Ho! On avance. What? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Il va arriver. Bon, c'est pas que je vous aime pas. Non, oh putain la pute. J'en étais sûr. C'était la meuf, voilà. Ah, ça se trouve c'est pas sur moi qui... Non, c'est quoi ce bruit là? Pourquoi elle a hurlé après la fille? J'en sais rien, bon. Bon bah je crois que je vais leur mettre des headshots dans le dos alors. Ces enfoirés vu qu'ils veulent pas me laisser tranquille. On va passer à l'offensive. Revolver. On va pas s'en servir sur l'alien. Pourtant j'étais pas armé, hein, j'avais un fumigène hein, seulement. Hein. Alors du coup j'en suis où moi dans mon truc? Bon, on va pas sprinter. Mais attendez. Accéder à la réception. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Pas par là. Quoique si on peut passer par là. On avance presque tranquillement. Et les humains, je vais les buter parce qu'ils veulent pas me laisser passer. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Un cocktail Molotov, les trois là, j'aurais pu les cramer. Vas-y, va crafter là-dessous. Molotov, j'ai pas ce qu'il faut. Super. Ce qu'il y a, c'est que dès que j'aurai tiré une balle, ça va les attirer. Ou je vais t'attaquer dans le dos là. Bande d'humains de merde. Pas le choix, vous m'avez buté il y a 2 secondes. Qu'est-ce qui m'a pris? Tiens, saloperie, toi t'avais pas l'air méchant comme l'autre pétasse. Voilà, pointe du cul, c'est bien. Ouh, il nous a donné pas mal de munitions. Putain, de merde. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Pointe plus du cul à cause de l'alien. Allez, mais dégage! Allez! Oh putain. Je me rappelle même plus de quel côté je dois aller. Puis si je sors le radar, j'ai peur qu'ils m'entendent. Hey! Oh putain. Non, 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 on reste là. Un bout de sa queue, là je vois plus rien. T'es où? Hey! Oh putain. Allez, dégage! Voilà, passe à travers les murs, c'est bien. Vilain. Oh putain, non, j'ai rien dit. C'est bon, dégage. Pourquoi il revient? Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain. Mais j'ai tombé sur lui là, c'est obligé.
moi qu'il est remonté. Et qu'il est pas en train de descendre vers moi. Oh putain. Ce jeu me stresse tellement, je sais même plus où j'en suis. Ah ! Bah c'est bon là. C'est là où on est mort tout à l'heure. Ok, j'ai vu qu'il y a un PC. Est-ce qu'on va pouvoir y accéder tranquillement ? En tout cas, il n'y a pas les trois humains. C'est parfait. Si on se fait pas poignarder dans le dos. Du coup, je lis vraiment pas. Hein. Voilà. Je passe juste dessus. Hop. Morley, ici Lingard. Suite à l'incident, les marshals veulent qu'on interdise l'accès au centre médical. Ils amènent une équipe pour découvrir ce que la patiente transportait. Même si je les ai avertis que c'était rapide, ils sont persuadés de pouvoir le coincer. Ils ont des filets. Je vais installer un centre médical provisoire à l'extérieur. Vous êtes en charge pour l'instant. Ne laissez pas Cullman vous amadouer. Je n'ai pas envie d'avoir à gérer ces auto-prescriptions avec le Marshall Waits qui nous tourne autour. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro de. Ok, bon là ça a l'air calme. C'est bizarre parce que même les humains ils sont. Ils ont un comportement aléatoire également. Ah, inventaire plein. Non, ausculte-le lui. Voilà. Bon, par contre, j'aimerais bien sauvegarder. Quoique, en fait, c'est pas très loin non plus. Hein, quand on galère pas à avancer à cause des humains. Ou de l'alien. C'est pas énorme. C'est vraiment qu'on galère des fois. C'est une horreur. Je sens mal une salle ouverte comme ça. Un point de sauvegarde. Ennemi proche ? What ? Ça me disait ennemi proche. Comment ça, ennemi proche ? Inventaire plein. Utiliser. Ouais, mais ça va faire du bruit, ça, non ? Ah, croix, faut m'attraquer. Allez, vas-y. Une troisième fois. Et appuie sur le gros bouton rouge. Personne. J'ai même pas compris ce que c'est en train de faire. On est en train de recharger des trucs. Faut faire pareil de l'autre côté. Ouais, on dirait bien. Ouh, il y a une trappe. Donc à tous les coups, ça veut dire que quelqu'un va se pointer quand on aura fini. Ou pas. J'en sais rien. Bon, finalement, on n'a pas utilisé le revolver sur des humains. Ouh ! Des androïdes. Oh non, mais est-ce qu'ils vont être agressifs tout de suite ? Putain. Il y en a un ou deux ? Hein ? J'admire sa pureté, oui. Ripley, est-ce que ça va ? Ripley. Non, ça va pas. Bah, je fais quoi alors maintenant là ? Je suis toujours à la recherche du kit de soins. Hein. Putain, il faut 20 ans pour trouver un kit de soins quoi. Mais je l'ai trouvé, non ? Enfin, faut que je sorte maintenant. Ils sont où ces putains d'androïdes ? Qu'est-ce que je dois faire là ? J'ai pas compris quelle était ma cible. Amorcer les procédures. Oui, non, mais je fais quoi maintenant ? C'est ça que je comprends pas, là. Je vois rien devant moi, là. Non, t'as rien vu ? Il vient vers moi ? Non, il danse ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il tape des pieds. C'est un comportement un peu... Je... What ? Ils sont sérieux ? On va y arriver, hein ? Ce qui est chiant, c'est qu'il faut attendre 15 ans que l'Android s'éloigne du PC, là. Pénible de chip, pénible. Allez, ça dépêche. On va éviter de passer sous les deux plaques là-bas, là.
Genre, il nous attend là-bas, il passe sa journée à attendre. Dans l'espoir que quelqu'un passe en dessous. Putain, faudrait que je re-sauvegarde avant de repartir en fait. Même là, faudrait que je sauvegarde tout de suite. Comme ça, je vais arrêter de me taper cette face complètement pourrie pour appuyer sur des boutons. Mais comme il y a un Android, est-ce que je vais pouvoir sauvegarder? Et ouais. Regardez-moi ce fil de bave là, il est là. Il est ici. Putain de merde. La maison médicale. Oh putain. Ça me saoule. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Vas-y, casse-toi. Il peut pas nous voir là. On voit que le haut de son crâne. Hey! Hey! Bon, normalement il vient pas vers nous. Voilà. Bon, j'espère qu'il s'est bien éloigné. Vite, brouille ton cul. Putain, pourquoi ils nous ont mis ça? Il y a des ennemis dans la pièce, ils nous mettent du piratage à faire, quoi. Je veux sauvegarder si possible. Il m'a pas vu. Il m'a vu ou il m'a pas vu? On va dire qu'il m'a pas vu. Je vais essayer de sauvegarder. Comme ça, si je meurs, je recommence directement d'ici. Je me retape pas toute la séquence. Là, je devrais pouvoir sauvegarder, même s'il y a un ennemi pas loin. Je me suis pas fait repérer. Il y a pas de bave, là. Je peux passer. Ah si, il y a de la bave. Ennemi proche, on s'en fout, sauvegarde. Putain. Pff, ce jeu est vraiment épuisant. Hein. Oh, il y a de la bave, on va pas passer par là. Parce qu'est-ce que là, on va retomber sur l'Android. Mais là, j'ai bien envie de sprinter, là, vu qu'il y a une alarme et tout. C'est bon, il ne m'a pas vu. Et puis y a pas moyen de le taper une fois qu'il nous a vu, en fait c'est impossible de le frapper. Il est où? Il est sur le PC? Ok, j'avais pas bien vu. Oh, tu sais quoi, l'Android il marche à deux à l'heure. Salut. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter l'alien et les humains éventuellement. Parce qu'ils vont vouloir me descendre. Putain, casse-toi là. Allez, fuck off. Oh putain! Saloperie. J'aurais dû les buter. Putain, mais ça me saoule. Bon. Ça va finir par passer. Mais alors, du coup, est-ce qu'il se pointe parce que je sprint? C'est peut-être ça aussi. Faudrait peut-être que je me déplace lentement en fait. Venez avec moi s'il vous plaît, c'est ça. Si on se déplace comme ça à partir de maintenant, est-ce que ça ira mieux? Putain. Putain, mais c'est dégueulasse là, ils bavent partout. L'autre. En fait, faut surveiller le plafond quoi, en gros. L'humain est parti? Non. Il est un peu plus par là. Ok, là on peut marcher. Il y a juste un trou ici, mais je vois pas de bave, alors je sais même pas s'il est là. Ensuite. Ensuite c'est là, là, faut que je fasse gaffe. De toute façon, si je longe le mur, normalement c'est bon. Hein. Oh putain, mais c'est pas vrai. Non, fumigène. Mais jette là pas n'importe comment, là. Jette là juste ici qu'elle rebondisse pas. Putain, mais elle rebondit, ouais.
Bon, on sprint un peu, histoire de s'éloigner des humains. Et à partir de là, on regarde le plafond. Oh putain. Saloperie. Je l'ai entendu venir. Mais comment je suis? Mais non, mais... Hé. C'est impossible de passer ça du premier coup, quoi. Putain, mais c'est... d'un frustrant. Oh. Allez, on retente. Bah comme pour tout à l'heure, hein, je pense que je vais vous couper toutes les tentatives parce que là c'est déjà au moins la cinquième fois. J'arrête pas de me faire choper par l'alien. Soit il me bouffe par les plaques qui sont au plafond, bah soit il descend pour venir me buter carrément. Donc là on évite là. Quoique là il y avait pas de bave, hein, ça se trouve il était... Pas là, il y a déjà l'humain qui va me tirer dessus. Mais c'est pas vrai. Ouais mais là il m'a chopé tout à l'heure, on va pas y repasser. Mais là, l'humain, tout à l'heure, il était occupé, là. J'aurais pas dû courir, en fait. Allez. Non, je fais que passer. Ignore-moi, 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 fils de... ta mère, voilà. Putain. Ils sont relous. On a le monde contre nous, là. Il est où, l'alien? Il s'occupe des humains? Ok, c'est rigolo, ça. Ah bah oui, il y a eu un coup de feu. On va essayer de tracer comme un porc alors, sans passer sous les plaques. Mais normalement l'alien là il est occupé là, on est d'accord. Hein. Il est en train de manger les autres humains. Donc normalement c'est dans la poche. Oui. Non attends. Quoi? Merde, je vais pas dans le bon truc. Que je suis con. C'est pas le moment de faire de la merde. Non, une plaque, une plaque, une plaque. On passe pas en dessous. J'ai la pression là, j'ai pas envie de sprinter pour la tirer, mais j'ai envie de me grouiller, de me sortir de là. Mais en fait c'était piégé ici. Attends, j'ai vu un truc briller tout à l'heure. Medikit, ok, ils sont sympas, ils nous donnent de quoi nous soigner. Super. Alors attendez, il y a du feu. Échappez-vous, mais ouais mais ils sont drôles, échappez-vous. Ok, c'est plus ou moins tout droit. On va peut-être éviter le feu. Ah, chercher, t'as peut-être encore des fumigènes. C'était quoi ce bruit? C'est le truc qui tombe. Ok. Donc échappez-vous, c'est par là. Ah non mais c'est rouge. Oh, merde. Il y a un bouton, quelque chose, comment on fait? Merde, 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 merde. Oh non. Nya. Ah, il y a une porte. Une porte, une porte, une porte. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Un cadavre chez le dentiste. Ce machin, c'est vert, là. On peut rien faire avec. Ok. L'extincteur, il s'envole, tout va bien. Contrôle d'urgence. Quoi, contrôle d'urgence? D'accord. Ah, je suis en train de perdre ma vie en fait. Oh là là. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Mon nom est Julia Jones, je suis écrivain. Je traite actuellement de la mise hors service de Sébastopol. J'espérais m'entretenir avec vous au sujet de vos expériences sur la station. Vous savez, les ressources médicales très limitées, l'effet psychologique de l'espace lointain sur les patients, ce genre de choses. Mais écoutez, docteur, j'ai entendu que récemment il y a eu une sorte d'incident à l'hôpital. Personne n'a l'air au courant. Docteur, s'il s'agit d'un problème grave de santé publique sur Sébastopol, les gens doivent savoir. Je travaille à mon compte, sans parti pris. Je n'ai aucune affiliation avec quelque compagnie que ce soit. Je noterai toutes les déclarations que vous souhaitez. Appelez-moi. Ok, du coup, j'ai pas écouté sur la fin. Mais ça parlait d'autre chose, en fait. Mais et comment je fais pour sortir, là? Je vois pas. Je tourne en rond. Pff, attendez, y a pas de bouche d'aération en bas, là? Des conduits? Merde. Et ce bouton, là, il a servi à quoi? J'ai pas compris. Contrôle d'urgence, mais ça m'enferme dans la salle. Ça sert à quoi? Putain.
Ah, j'adore. Je suis coincé. Je suis foutu. C'est génial. Il n'y a pas de trappe au sol. Non. Ah, comment je fais? Quelqu'un peut m'expliquer? Porte fermée. Puis pourquoi je suis avec le taser? Moi, je veux medikit. Putain, non, s'il vous plaît, je vais pas utiliser tous mes medikits là. Dites-moi comment je sors de là. Putain, mais c'est quoi ça? Échappez-vous. Mais par où, bande d'andouilles? Y'a pas de conduit, y'a rien. Ça c'est fermé. Puis je vais crever là, c'est en train de m'énerver. Putain, ils sont pas sympas. Hein. Ou alors c'est parce que là je suis sous pression, j'ai besoin d'une pause, donc je vois... Je vois pas ce qu'il faut faire, mais... Mais non, pourquoi on reviendrait par ici là? C'est complètement con. Putain, j'ai pas loupé un truc là. Ça, c'est fermé, on est d'accord. C'est fermé, tout est fermé. Grimper. Quoi, grimper? Attends. D'accord. Allez, remonte. Putain, mais alors pour trouver ça, sérieux? C'est pas logique du tout, quoi. Putain, n'importe quoi. Oula, Amanda, 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 Amanda. Accroche-toi. Tu vas y arriver. Je sais pas où tu vas, mais tu vas. Reste calme, Amanda. Tout va bien se passer. Regarde par en bas, il monte, allez. Sauter. Ouh, ça va, ça tenue. Ouh, non, non, non. Putain, putain, remonte, remonte. Monte, 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 monte. Bouge ton cul. Je manquerai plus qu'Alain vienne nous faire chier là. Putain. Ah là, j'ai besoin de me poser, sérieux. Le jeu est éprouvant, hein. On perd encore de la vie? Non, ça va. Ça va, ouais. Je suis dans un état lamentable. Hop, soigne-toi. Ok. On va peut-être repasser au revolver. Ok. Bon, ça a l'air d'être un petit peu plus tranquille. On va peut-être pouvoir souffler un petit peu quand même. Ouh. Allez, allez. Allez, allez, allez. T'es où, Amanda? Encore dans les tuyaux, ok. Oula, on voit que dalle. Ou un ascenseur. C'est bon signe ça. Ça veut dire que c'est la fin d'un chapitre en général. Allez. Ah, oh, merci mon dieu. Prise au piège. Ouais. Ben, j'ai bien galéré hein, sur cette vidéo là. Oh là là. Ok, laissez-moi sauvegarder, s'il vous plaît. Fermeture en cours. Ouais, enfermez-moi, c'est ça. Laissez-moi sauvegarder. Parce que je sais pas si ça a vraiment sauvegardé là. Je sais qu'il y a le logo, mais j'ai un doute. Donc je préfère quand même sauvegarder manuellement. Non, pas par là. Tu peux pas courir là, ramper un peu plus vite? Ouh, qu'est-ce que c'est? Des tuyaux? Ok. Rien de bien méchant. Camelot, ok, on a l'inventaire plein. Oh, allez, allez. Putain, les piles, ça descend super vite aussi, là. Putain. Allez. Ah, on va pouvoir descendre. Oui, un point de sauvegarde. Il faut que je répare ça. Oh, il faut réparer l'ascenseur. Oh là là là. Bon. On verra ça plus tard pour l'ascenseur. Ok. Bon, et ben je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Il y a des humains devant. Ho ho ho, on verra ça la prochaine fois. Salut!